Ouais, c'est sûr, je pense qu'on fait un match plein ce soir. On a vraiment été dans le plan de match. C'est vrai qu'on s'était dit que c'était un premier test pour nous parce que après le troisième match en une semaine et recevoir une équipe de Souffle qui tournait, qui est une équipe, enfin une très bonne équipe. Donc ouais, non, ça fait plaisir de ressortir avec la victoire ce soir, surtout avec le genre de match qu'on a fait. Qu'est-ce qui explique néanmoins que vous ayez gagné avec tant d'écart quand même? Moi, je pense qu'à un moment donné, comme je viens de le dire, on a respecté le plan de match et qu'on a joué à 11, quoi. Tout le monde joue encore ce soir, ça montre la force du groupe et la force du nombre. Donc à un moment donné, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence ce soir. Le rouleau compresseur continue d'avancer là, sereinement. Bon, on espère, de toute façon, c'est. Voilà, nous, c'est un peu pareil pour tout le monde, mais bon, nous, on a eu la chance aussi d'avoir pas trop changé l'équipe. Donc le fait de. Après, cette période difficile, on est excité, on a envie de jouer, quoi. Dans les détoxités, quand on mène de 26 points dans le dernier quart-temps, là, c'est justement excitant, c'est Ouais, c'est génial. excitant et puis ça permet, je pense, aux jeunes joueurs comme Sia aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Donc ça fait du bien pour tout le monde, ça récompense le travail de tout le monde. Et puis c'est une bonne victoire. On va en profiter ce soir et demain et après pour repartir lundi au boulot pour préparer le match contre Nancy, quoi. Justement, j'ai envie de vous dire vivement Nancy. Vivement Nancy, ouais. De toute façon, d'autant qu'on joue en ce moment, je pense que c'est ça le maître mot. On sait qu'on est dans une période difficile, donc le plus important aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain, quoi. Mission accomplie. Bravo, merci. De rien. Allez, on y va.